Je suis Sophie Huvier-Boutin, chef marché vigne chez Bayer Crop Science. Donc, je suis responsable d'un portefeuille de produits pour protéger les vignes et donc faire des raisins de qualité, sains, en quantité, pour faire du bon vin. Je suis Éric Jalas, le PDG fondateur de la société ITK, qui est un éditeur de logiciels experts pour la viticulture. Je suis en charge d'un portefeuille de produits pour protéger les vignes, mais aussi de services. Et c'est un service qui fait l'objet de notre collaboration, un service qui est là pour un outil de pilotage des protections mildiou et idiom sur la vigne. C'est une longue histoire en fait. J'ai croisé, quand j'étais aux États-Unis, un responsable de la recherche de la société Rhône-Poulenc, qui est devenu dans le temps Aventis et puis Bayer. Et il se trouve que ce que je faisais a intéressé ce responsable scientifique et a commencé une première, des premiers contacts ont commencé à ce moment-là. Et cette histoire-là, finalement, a diffusé au sein de Bayer. Et quand Bayer a décidé de développer de nouveaux outils, ils se sont dit, tiens, il y a une technologie qui existe quelque part qui pourrait nous être utile. Et dans ce cadre-là, eh bien, ils m'ont demandé de venir, d'expliquer ce que je faisais sur le coton, comment on le faisait, et si c'était adaptable à la vigne. Et c'était le cas. Et c'est comme ça que ça a commencé. Non, on n'a pas besoin de travailler différemment, qu'on travaille en fait avec un grand groupe ou avec une autre PME, très clairement. Je pense que 90% du business, voire 99% du business, c'est en fait des relations entre des personnes et c'est de la confiance. Alors nous, dans ce cas spécifique de partenariat, en fait, on allait chercher une expertise qu'on n'a pas. Et donc nous, c'est des ressources qu'on n'a aucun intérêt à avoir chez nous en interne. Et eux, ils le font tellement bien qu'on avait toutes les raisons d'aller vers eux. Pourquoi une PME? Parce qu'en fait, quand on est sur des domaines aussi pointus, c'est jamais chez les grands. Ouais. Et puis en plus, pour la PME, par contre, le grand groupe a la capacité de financer des projets comme notre projet qui est des outils complexes, donc qui nécessitent un investissement intellectuel, mais aussi financier important. Et donc ça, le grand groupe nous l'a apporté, ce qu'aucune PME ne pouvait faire. Premier aspect. Deuxième aspect, comme c'est des outils techniques, il faut les tester. Et là aussi, une PME ne peut pas faire des tests à l'échelle d'un pays. En plein champ, sur toute la France. Donc il fallait effectivement une puissance d'expérimentation qu'on apporte nous. Et puis derrière, en termes de distribution aussi, on fait un levier de distribution qui est phénoménal. Alors d'abord, c'est de trouver le bon interlocuteur à l'intérieur du grand groupe. Donc un grand groupe, c'est l'équivalent d'une somme de PME. Et donc il ne faut pas se tromper, il faut trouver la bonne PME, celle qui peut être votre partenaire, qui a un intérêt à travailler avec vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est d'être le plus transparent, le plus naturel. Pas s'imaginer qu'on va raconter des histoires ou que le futur partenaire va raconter des histoires. Il faut avoir confiance. Et c'est comme ça que ça fonctionne et ça fonctionne bien. Parce que la confiance est effectivement clé dans la relation. Parce que donc, la PME a besoin d'avoir confiance dans la relation qu'il a avec le grand groupe. Mais le grand groupe a aussi besoin de savoir que le projet dans lequel il investit va aller au bout, va avoir le résultat attendu et que la PME va tenir le coup jusqu'à la fin du projet, bien sûr. Et même grandir, se trouver grandi par le projet.